Et bonjour tout le monde, bonjour YouTube, on se retrouve enfin, je vous dis enfin parce que j'ai de nouveau un disque dur et donc j'ai pu réinstaller tous mes jeux. On se retrouve enfin du coup sur Ark Aberration, le serveur où on va devoir faire des mutants les copains. Et j'ai beaucoup 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 avancé sans vous du coup. Je vais vous montrer un petit peu ma nouvelle base, mes mutants. Je suis en train de finaliser du coup les mutants pour le concours. On va en faire plein d'autres ensemble, je vais essayer de faire un peu toutes les espèces, donc voilà, il y en a plein qui sont pas faits. En attendant, je vais vous montrer ce que j'ai, vous allez voir que c'est plutôt pas mal. Donc, déjà ma base, hein, voilà. Il y a un truc qui s'énerve, je sais pas où. Ma base, donc du coup, on est toujours en zone bleue, hein, là-bas j'ai... Viens nous voir. J'ai un spino qui protège un peu la zone, mais elle est pas obligée d'être si loin, parce qu'elle doit pas avoir à manger. Du coup, ma base, voilà. Hein, c'est plutôt stylé, j'aime beaucoup la zone bleue. J'ai fait des murs avec des pics et tout, mais ça n'empêche pas que je me fais attaquer. Je suis trop lourde, hein. On va peut-être jeter un peu, je dois avoir des conneries. Alors, c'est triste de jeter tout ça, mais j'en ai beaucoup trop. Hop. Et donc, là, je suis en train de faire des reproductions de Diplodocus. Hein. Alors, lui, il a déjà une mutation violette sous le ventre, normalement. Quoique non, pas toi. Non, non, pas toi. C'est le bébé, donc toi, non. J'ai des sarcos aussi qui sont en train de se reproduire. Alors, ils ont une mutation marron. Alors, je voulais faire marron et orange, parce qu'il y a aussi un orange, je vais vous le montrer. Mais pour le moment... voilà, quoi. Il est où, mon bébé bébé violet ventre? Ah ouais, mais on va pas le voir, ici. Donc là, oui, si, on voit quand même qu'il est violet, regardez. Donc lui, il va être violet. J'en ai normalement un... Alors, je sais pas s'ils sont décédés ou pas, parce que la nanny s'en occupe pas. Il y a une nanny, normalement, mais elle a tendance à tuer mes bébés, donc c'est moi qui les nourris. Je préfère, pour le coup, leur donner moi-même à manger, parce que la nanny, elle les oublie assez souvent. Donc on va te donner 200, tiens. Voilà. Au moins, je suis sûre que tu vis, toi, mon copain. Voilà. Je vais vous montrer aussi... Attendez, le... Alors, voilà. Je veux faire ce marron-là, parce que c'est rare d'avoir un sarco marron, mais pas marron et vert, quoique ça fait un peu glace, hein, mais je voulais faire marron comme ça, vous voyez, full marron ou marron et noir, avec cette bande orange de celui-ci qui est magnifique, hein. Tu es trop beau. Tu es trop beau, mais je veux faire quand même un marron. Ce noir, on a de la tendance à les connaître, les marrons, non. Donc marron et orange, je pense que ça peut être plutôt stylé. Hein, vous mélangez celui-là et celui-là avec peut-être un ventre noir et la bande orange. Il serait stylé, mes trucs. Je vais vous montrer du coup. Alors, j'ai fait une ruche, des ruches là-bas. Voilà, ma petite base. On est plutôt tranquille. Ramassez mes œufs! Voilà. On est plutôt tranquille ici pour le moment. Les Nameless m'embêtent pas trop. Donc, j'ai fait une ruche un peu à la Indian Life. Alors d'ailleurs les copains, comme j'ai plus mon disque dur qu'il a été vraiment cassé, je pouvais plus rien récupérer dessus. Indian Life, la partie est tout là-haut. Voilà, comme moi, tout là-haut. Et du coup, bah, on recommencera une autre partie, peut-être avec un autre concept par la suite. Ou alors on continuera sur des serveurs, on verra. Avec les copains, etc. Donc voilà, petit ascenseur, enfin monte charge pour le coup. Hop, on arrive. Je vais enlever les écritures, c'est pas joli. Donc, oui, vous voyez un spino un peu. Alors, je vais pas le mettre pour le concours. Celui-là, ça va être une monture personnelle. J'ai mieux que ça pour le concours. Hein. D'ailleurs, j'espère que. Bah, de toute façon, je pense que les copains qui font partie du concours vont regarder cette vidéo et c'est bien dommage. Mais voilà. Bah, ils les verront un petit peu avant. Donc, là, on a cette couleur-là. Là, ça va être une monture principale. En plus, elle est très bon level. Hein. Ma copine, pardon, elle a 6000 de vie, elle a ça en attaque, c'est quand même pas mal. Elle est level 293 de naissance. Hein? Pas mal, pas mal. Mes moutons sont en train de se reproduire, histoire d'essayer de faire des bébés mutants. Je vais essayer de faire un peu tout plein d'espèces, parce qu'on va pouvoir présenter chaque espèce si on le veut pour le concours. D'ailleurs, n'hésitez pas à rejoindre le serveur si vous voulez participer. Il y a encore un mois et demi de serveur, si ce n'est plus... Pour faire des mutations et les présenter au concours, on va faire un concours du meilleur mutant. On va faire par catégorie, je pense, donc Spino, VS Spino, etc., etc. C'est pour ça que moi j'essaye de présenter toutes les espèces pour être en concurrence avec un peu tout le monde, hein, parce que tout le monde ne fait pas les mêmes choses. Voilà, donc là j'ai les nids, hein, qui me servent à ramasser mes œufs. Donc là pour l'instant, ça doit ramasser les œufs de Diplodocus et de Sarcos. Ça les incube, etc. Après, vous n'avez plus qu'à les lancer là-devant. Voilà. Je vais vous montrer un petit peu ma base éteinte. Là, j'avais allumé pour les bébés et tout, parce que je veux voir les couleurs. Mais quand c'est éteint, c'est magnifique.
Il y a Boris là qui me ramasse tout ce qui est excréments et tout. Ah, mais c'était éteint là. Il y a Boris qui me ramasse les excréments parce que, bah voilà, ça m'évite de tout faire. Elle, elle est censée ne pas tuer mes bébés, mais elle le fait. Normalement, elle doit leur donner à manger. Alors, on me dit, et ça se trouve, elle a pas ce qu'il faut. Regardez tout ce qu'elle a, ma nanny. Elle a tout ce qu'il faut pour donner. D'ailleurs, elle a même une selle de Spino. Hein. Ah, bah, en plus, c'était celle-là. Et du coup, oui, elle a tout ce qu'il faut pour donner. Elle ne s'occupe de personne. J'ai envie de la buter. Hein. Elle les tue assez souvent, mes bébés. T'es beau dans le noir, toi. Donc voilà, de nuit, ça donne ça. On imagine qu'il n'y a pas d'animaux hein, dans mon truc. Franchement, le petit salon et tout, j'ai pas encore fini la déco. Hein. Mais regardez la vue. Là en bas, pareil, le soir, c'est éteint. Enfin, je peux éteindre toutes les lumières. Si moi, je suis pas bien là avec. Oh, regardez les cascades, là. C'est magnifique! C'est magnifique. Ensuite, j'ai ma petite chambre. Alors, la chambre, pareil. Voilà, le lit comme ça, avec les petits tapis et tout. Mon truc pour les stuffs. Là, pareil, j'ai une assez jolie vue sur cet arbre qui éclaire ma chambre le soir. Hein, voilà. De toute façon, il fait toujours nuit. Moi, je suis en souterrain. Hop, avec le petit panneau chambre. L'atelier. Voilà. Où tout se passe. Hein. Pour l'instant, là, il ne se passe rien parce que j'ai tout ce qu'il faut. Mais voilà. Ce qu'on va faire aujourd'hui, on va continuer les mutations ensemble, je pense. Et peut-être. Non, on va continuer les mutations ensemble. On va essayer d'avoir un peu des couleurs un peu spéciales en diplodocus. Ça serait pas mal. Ouais, on va faire ça aujourd'hui avec vous. Alors, je vais vous faire pas mal de coupures, parce que moi, le temps que les œufs se fassent et tout, je vais attendre un petit peu. Et la prochaine fois, on va partir en zone rouge, donc tout en bas de la map, pour aller chercher des œufs de Rogue Drake. C'est comme les wyvernes, il faut les choper dans une faille assez dangereuse avec une tenue anti-radiation. J'ai tout ce qu'il faut pour la faire, vous inquiétez pas. Le truc, c'est que je vous attendais pour y aller, donc j'y suis pas encore allée, mais on ira ensemble dans le prochain épisode. Enfin, voilà, bah écoutez, ah oui, je voulais vous montrer un peu mes spinots de concours, pour le coup. Alors, ceux qui participent au concours, n'hésitez pas à fermer les yeux, hein, si jamais, si vous voulez pas voir de suite. Donc, mâle juvénile concours, femelle concours. Après, je crois que c'est tout. Les trissés aussi, j'aimerais vous les montrer. Je crois que c'est bleu et violet. Ils sont pas encore finis. Ah non, ah oui, il y a le bleu clair que je voulais mettre. Non, c'est bleu et bleu foncé. Alors, est-ce que je vais les trouver? De toute façon, si je tape bleu, là, ils y sont pas. On va aller là-dedans. Bleu. Parce que je vais faire les trissés aussi, qui sont toujours pas là. Où c'est que je les ai foutus? Où c'est violet? Non, ils sont bleus. Hein. Ils sont bleu clair et bleu foncé, mes trissés. Donc. Ils sont plutôt jolis pour le concours aussi. Hop. Bleu. Mâle bleu clair. Adolescent bleu. Je sais pas si. Je vais vous les sortir, de toute façon, ça coûte rien. Je veux voir si. Femelle bleue. Je veux voir s'il y a le mélange entre le bleu foncé, bleu clair et tout ça. Hop. Mais j'avance bien sur les mutations. On va se foutre là, mais par contre, je vais éclairer pour le coup. Hop, hop. Ah ouais, ça pique les yeux. Ouais, c'est pour voir les. Parce que sinon, dans le noir, on voit rien, les copains. J'étais un peu obligée. Lui, je le garde parce qu'il était tout marron et on verra pour le mélanger avec le orange. Un copain. N'est-ce pas, n'est-ce pas? Hop. Attention, on va se péter les yeux. Voilà. Et encore, j'en ai encore une là-bas derrière si jamais j'ai un contre-jour. Alors, attendez, on va prendre ça. Je vais remettre mes écritures. Hop, je vais voir qui tu es, toi. Ok, bonjour. Bonjour, bonjour. Ouais, toi, t'es juste bleu. Bleu et blanc, quoi. Donc, non. Pas pour le concours, madame. Après, pour mélanger, oui, hein, les copains. Bien entendu, bien entendu. Hop, toi. Ah, voilà. C'est plus dans ces tons-là que je veux. Ah, bah, c'est comme ça. Par contre, t'as un problème de bouffe, non? C'est comme ça que je veux, mais j'aimerais mélanger encore une couleur en haut. Je vais te donner à. Bah, non, mais toi, tu manges dans la gamelle, en vrai. Normalement. Hey, nourriture, il a rien quoi. Peut-être que ma gamelle a plus rien. Attends, 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 attends. On va aller voir ça. Parce que là, ça serait chiant pour les grands pour le coup. Ouais, j'ai tout donné à la nanny. Eh ben, on va en reprendre à la nanny. De toute façon, elle s'en occupe pas. Voilà, quand même qu'ils mangent, hein, les copains, parce que, voilà. J'avais un peu peur qu'ils meurent. Donc du coup, ça serait. Arrête de me pousser! Ça serait cette couleur-là que je présenterais. En plus, dans le noir, regardez, ça va briller un peu en bleu et tout ça. J'aimerais que les cornes soient soit noires, soit blanches. Ou soit. Ouais, soit noires ou blanches. J'aimerais des cornes noires. Peut-être que je pourrais trouver dans la nature un trissé qui a déjà les cornes noires et mélanger avec cela. Voilà.
Je trouve que le tricet de cette couleur-là est très très beau. Le bleu clair, bleu foncé est plutôt pas mal. Avec des cornes noires, hein. Franchement, ouais. Donc voilà, je vais pas vous montrer les autres. C'était cette couleur-là que je voulais vous montrer. Hein. Les autres, ils sont pareils. Hein. C'est juste que après, je fais des mélanges pour essayer d'avoir d'autres couleurs. Ah non, je peux vous montrer le tout bleu clair. Il y en avait un qui était vraiment tout bleu clair. Alors, est-ce qu'on l'a là? Ouais, non, c'est pas toi. Non, bah c'est pas toi, mais tu peux rester là. Du coup, c'est lequel? Ah, mais vous êtes tous pareils! Vous êtes beaux, hein, c'est pas histoire. Attends, attends, attends. Je crois que j'en avais un tout bleu clair, vraiment de tricé. J'en ai un vert que j'ai appelé Hulk aussi. Vert fluo. Je vous les montre aussi de toute façon. Petit épisode mutant, hein, pour le coup. Hop, alors attends. Toi, t'es qui? Bleu clair, peut-être que toi, c'est bon. Peut-être t'es le bon, toi. Hop. Je vais pas le retrouver quoi. Il est tout bleu clair en fait, tout le haut. Mais par contre, je sais pas où il est. Après, le tout bleu clair, si je le mélange avec un ventre bleu clair. Mal bleu. Mal bleu clair, mais non. On vient de les voir, donc non. Et toi, t'es toujours le même, je retente. Hein. Ouais, bon, non, c'est pas ça. Eh ben, écoutez, je le retrouverai pas maintenant. On va regarder un petit peu les spinots. J'avais aussi quelque part un rat des profondeurs assez dégueulasse en jaune. Alors, juvénile concours. Femelle concours. Mais par contre, je vous montrerai aussi, moi, parce que c'est bizarre, là. Il me manque... j'en ai deux. Ah, voilà. Si, c'est celui-là. C'est celui-là, c'est celui-là. Ah, tu nous gênes! Attends. Attends. Eh, me gêne pas. Eh. Bon, là, attendez, on ne le voit pas bien. On ne le voit pas bien parce qu'il a la tête dans le dur, mais voilà. Spino diabolique, hein, tout simplement. J'ai réussi à avoir le corps full rouge, avec le dessous et tout. J'ai fait des mutations parce que j'avais une couleur par une couleur par une couleur, comme d'habitude. J'ai réussi à l'avoir full rouge. Il est sublime, hein. Je pense. Donc lui, ça va être mon mâle démon. Ouais, c'est non, c'est une femelle, donc on fera un mâle. Démon que j'aimerais présenter au concours. Voilà, tout rouge. Et du coup. Bah du coup, c'est mâle juvénile alors, qui est le deuxième, non? Voilà. Ok. Et du coup, celui-là. Celui-là que je trouve sublime. Avec le blanc, le violet, le rose. Il est trop beau. Enfin, elle est trop belle. Non, il est trop beau. Bah, c'est le contraire, vous voyez. Et du coup, j'aime bien. Après, voir si je garde le blanc en dessous. Ou si je mélange avec autre chose. Mais je trouve que blanc, ça ressort bien, quoi, vous voyez. Sublime. Toi aussi, en vrai, t'es pas mal. Hein. Ouais. Je voulais te garder en monture, mais en vrai. Avec un corps, avec le dessous. Non, ça ferait trop de couleurs, en vrai. Ouais, non, franchement, elle est sublime comme ça avec son, enfin, il est sublime comme ça avec son rose et violet. C'est les couleurs de ma chaîne, c'est les couleurs d'aberration. Donc, tout va bien. Hein, ça me va largement. Bleu, violet, tout ça dans les tons un peu. Voilà. Donc, soit je te range avant que les gens te voient. Hein. Je les sortirai à la fin pour les faire grandir. Et pour le coup, bah, on va continuer ensemble. Ouais, des mutations Diplodocus, on va tenter en tous les cas de faire ça ensemble. Hein. Les tricés, de toute façon j'ai plus de place. Oui, j'ai des écus, j'ai un peu tout. Hein. Dites-moi s'il y a une espèce que vous aimeriez que je fasse plus que les autres. De toute façon, comme je vous dis, je vais toutes les faire. Ah, t'es sympa aussi, toi, en marron. Après, ça change, mais. Oh, ils sont encore morts. Ils meurent trop vite, les moutons. Moi, ça me gave. Je voulais tenter de m'amuser à faire des moutons roses, mais je pense pas que ce soit une bonne idée, quoi. Alors, les diplodocus, je vais tous les sortir de toute façon. Faut qu'ils se reproduisent. Hein. Hop, hop, et hop. Ah oui, regardez, j'ai les skins de Arc 2. Vous pouvez les gagner. Vous savez, avec Vin Diesel, tout ça, là. Les skins de la lance et tout pour Arc 2. Donc ça, c'est la lance de Arc 2, en fait. C'est le skin, vous le gagnez en regardant la bande-annonce directement dans votre jeu. Quand vous ouvrez Arc, vous avez la bande-annonce en haut à gauche. Et vous regardez par là et vous gagnez les skins. Donc vous avez celui-là pour la lance. Hein, c'est plutôt stylé. Et vous avez celui de la hache quelque part. Voilà.
La petite hache de Arc 2 aussi. Donc voilà, hein, pour ceux que ça intéresse. Vous avez un skin aussi pour les raptors que je peux vous montrer vite fait avant de... Je vais sortir d'avoir mes diplodocus. Je vais vous montrer aussi un skin pour les raptors, mais qui est marrant. C'est par rapport à la BD Arc qui va sortir. Ouh là, ils vont avoir faim. Ouh là là. Alors attends. Non. Jette-moi celui-là. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait un jaune. Toi, je sais pas qui t'es. Toi, il faut à manger. Toi, il te faut à manger. Tiens, on va peut-être changer un peu de... Est-ce que j'ai pas autre chose? Méjoberry? Tu dois bien en avoir quelque part, des méjots. Tiens. Poule. Voilà. Allez, fais-toi plaisir. Alors, toi, t'es quoi? Ouais, t'es violet en dessous. Après, j'ai celui-là. Alors, lui, il pourrait être pas mal. Je pense, pour le concours, si j'arrive à trouver un orange qui se mélange bien avec le jaune... Jaune-orange pourrait être pas mal, mais j'aurais voulu aussi violet, bleu et tout ça. On verra. On verra ce qu'on arrive à faire. T'as à manger, toi, avec tes yeux, là? Bah non. T'arrives à manger d'ici, là? Il a la gamelle, lui? Ah, mais t'as la gamelle. Ça devrait aller, ça devrait aller. Toi, tu te mets... Ah, je suis bloquée. Alors oui, il y a beaucoup trop de bestioles dehors, hein, on est d'accord, mais quand on fait de la repro... autre... Non. Autre option, permettre. Je sais pas qui tu es, mais reproduis-toi, ça fait des heures en plus. Voilà, je vous montre le skin. Hein, et après, je vous reprends quand on va faire éclore les premiers œufs. Là, on est pas mal ici. J'ai cru que c'était un brachiosaure là-bas, ça là. Bravo. Oh non. Il va embêter ma base. Voilà. Ça suffit. Merci. Pour le coup, je suis montée trop haut. Hop. Ah, des fois, ils sont chiants, quoi. Est-ce que j'ai un raptor en... J'ai des raptors aussi mutants, mais ils sont pas beaux. Hein. Clairement pas. J'ai des ours mutants aussi, mais ils sont pas encore assez jolis. Quoique, je peux vous les montrer, hein. C'est rouge. Donc là, non. Ah, oh, c'est quoi? Ah oui, regardez. Par hasard, canard rouge. Après, je voulais vous faire quoi? Raptor, raptor, juste c'est un adulte. Le mail raptor, c'est juste pour vous montrer le skin et vous montrer un ours rouge. Je sais pas s'ils sont là, non. Bah, alors ils sont dans le frigo. J'en ai de partout en fait. Faut que je trie. Toi, femelle Axel. Bah voilà, Axel, je crois qu'elle est rouge. Hop. Alors, ça c'est mon parasaur. Voilà. Alors, c'est un début de mutation. C'est la première mutation que j'ai eue. Donc, pour l'instant, il est mélangé avec rien. Je verrai ce que j'en ferai. Peut-être rouge et noir, ça peut être sympa aussi pour un parasaur. Parasaur démoniaque. On a ensuite notre ours, Axel. Ah, qui n'était pas chargé. Axel, c'était ma première mutante. Donc, en fait, elle a dû. Charge un peu mieux, ouais, bon. Elle a du rouge en fait, voilà. Oula, tu fais peur comme ça. Avec le contre-jour, on voit à travers. Là, tu fais un peu peur. Normalement, c'est ses rayures aussi qui sont. Voilà, les. Ah, les moutons. Ah, je lag. Attends. Comment on peut te voir sans que t'aies ton. Voilà. Il y a un bruit là. Qu'est-ce qui se passe? Mais c'est. Elle s'est tuée sur les pics. Bah après, je m'en foutais. Hein. J'en ai 50 000 d'épinaux, mais elle protégeait juste dehors. Bon, bah tant pis pour elle, hein, elle est morte en direct. Et du coup, Raptor, je me disais, il y avait un drôle de bruit. Mais ça, c'est dommage qu'ils se prennent nos propres pics, quoi. Si on n'est pas dessus, en fait, ils prennent les dégâts des pics. Après, quand vous êtes dessus, vous les prenez pas. Mais pour le coup, si, là. Hop. Et j'avais un skin quelque part. Ah, il faut que je vous montre mon chapeau aussi. Ah, vous pouvez pas louper ça, YouTube. Je l'ai montré sur Discord, mais... Vous pouvez pas louper ma tenue, YouTube. Faut que je la montre. Hein. Alors, tiens. Mets-toi ça. Vous allez voir, c'est bizarre. C'est par rapport à la bande dessinée. C'est stylé, hein? Regardez. C'est trop stylé, je trouve. Ça fait bande dessinée, quoi, animée, hein? C'est les skins que voilà que vous débloquez avec bah pareil avec la bande-annonce du arc prochain. Enfin voilà. Ah oui, ma tenue.
Et après, on se reprend quand il y a des œufs. Attendez, je vais le mettre bien au jour là. Vous allez voir un peu la personne. Alors, hop. Montrez le chapeau. Tadam! Quelle horreur, vous me direz. Quelle horreur. Non, c'est une horreur. Et regardez, j'ai la petite tête plate par rapport au corps. Regardez, gros corps. Moi, je suis cul nu, hein, comme d'habitude. Gros corps. Oh là là. Des fois, je me promène comme ça. Je me demande comment les gens viennent me parler, quoi. Bon. Je pense qu'il y a quelques œufs qui sont déjà prêts. On va commencer à en faire éclore ensemble, les copains. Alors, on va prendre déjà les sarcos. Hop. Après, c'est pas extrêmement rapide, mais ça va, quoi. Franchement, il y a pire. Hop. Toi, t'es bon. Ouais, mais j'ai trop de viande, quoi. Hop. Ok. Bon, on va regarder ça ensemble, les copains. Alors. Ce serait bien qu'on en ait d'autres couleurs, mais après, tant pis, quoi. Hop. La la la. Ouais, non, hein. Pourquoi il est comme ça, lui? Il y en a juste des comme ça? Bah après, vert, ça m'intéresse pas de trop. Hop. Ouais, après, c'est tout le temps les mêmes. En ce moment, c'est tout le temps les mêmes, hein. Je vous aime bien, mais je vous aime pas, quoi. Hop. Voilà. Il m'intéresse pas plus que ça. Après, j'en avais un aussi rouge, hein, avec du rouge dessus, mais sur le côté. Donc, pour l'instant, je sais pas quoi en faire. Hop. C'est un massacre. Là, il faut les copains. Si vous voulez faire des mutations, il faut. Hop. Alors. On va prendre cela. Je pense pas qu'on aura beaucoup de chance sur les sarcos pour le coup. Ouais. C'est toujours les mêmes, quoi. Vous n'arrivez pas à vous mélanger, quoi. Et ben on va continuer. Hein. Tant que j'aurai pas ce que je veux, de toute façon, voilà. Hop. Et hop. Alors, franchement, pour ceux qui me connaissent, c'est très très rare de me voir faire de la repro. Tout simplement parce que. Bah, ça, j'en fais jamais. J'en fais jamais sur Arc. Mais là, comme le serveur, c'est vraiment repro, mutation à la fin. D'ailleurs, n'hésitez pas à rejoindre aussi si vous voulez, parce qu'on va aussi faire le boss final qui est prévu sur le serveur, tous en équipe et tous ensemble. Et on va faire aussi le. Bah, se faire inséminer par les Reaper Queen. Donc il y a de quoi faire aussi. Voilà. Alors. Il y a un Drake qui vole en-dessus de ma base. J'espère qu'ils vont pas venir maintenant. Ça doit être Pinux. Je crois qu'il voulait montrer son gecko, mais bon. Pour le coup, je suis mute. Je suis avec eux sur Discord. Ils savent même pas que je record en vrai. Et pour le coup, il voulait montrer son gecko. D'ailleurs, j'en ai aussi des geckos à vous montrer si vous voulez, mais. J'en ai pas fait de mutation encore, hein. C'est trop. J'ai trop de trucs à faire. Pour l'instant, j'essaie de finir les spinos, les diplos et les sarcos. Et ensuite, j'ai même des chevaux et tout à essayer, hein, par hasard et tout ça. Mais pour le moment, j'en suis à là, moi. J'en suis à là. Allez! La la la! Oh, bah, y a rien de. Bon, bah, vous allez tous mourir, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Non, ça m'intéresse pas. Ils sont normaux. Hop. Après, c'est vraiment un coup de chance. Les mutates, des fois, on en a 4 d'un coup. Après, on n'a plus rien. Ça dépend vraiment, vous et votre chance, quoi. Tout simplement. Hop. Mais sinon, je m'en sors bien. Ouais. Quand même, c'est plutôt pas mal, quoi. Je m'en sors plutôt pas mal. Vivement que j'aille voir les Drake aussi. Ça fait depuis la sortie d'Aberration que je suis pas allée chercher des œufs de Drake. Les Drakes peuvent pas se reproduire, hein, mais voilà. Et aussi, il faudra qu'on stamme des basilisques ensemble, les copains. N'est-ce pas? Mes préférés. Ouais, non, vous avez rien de concret. Rien de concret, désolé. Sympa les diplos, je sais pas si on a beaucoup qu'en font. Moi, en tout cas, ça me plaît bien d'essayer d'en faire, quoi. Et vous, là? C'est chiant, les moutons, en vrai. Je sais pas pourquoi je me lance là-dedans, parce que. C'est sympa, mais c'est chiant, quoi. Il reste 2 minutes. Faudrait que j'ai plus de femelles, en vrai. Vous savez quoi? Au pire, il faudrait que je me fasse. Est-ce que j'ai de quoi me faire des cakes? Au pire, on va aller chercher des moutons, les copains. Ça commence à me gonfler, ils vont trop doucement. Hop. Je pense que j'ai de quoi faire des cakes, hein. On va regarder ça ensemble. Est-ce que j'ai mes bouteilles quelque part? J'ai du bordel? Non. Je vois pas de quoi vous parler. Je vois pas trop de quoi vous parler. Là.
Hop, hop. Je crois que c'est ça. Il faut de la... Ah, je sais plus où je l'ai foutu. De la résine, là. La sape. Pas comment on dit en... Si, c'est de la résine. Normalement, j'en avais. Alors, après, où, j'en sais rien. Mais hier, j'ai fait des... Hier, j'en ai fait. Non. Putain, des fois, les dregs, ça fait un de ces foins. Là-dedans, non. On peut pas la ranger là-dedans. Voilà, j'ai tout ce qu'il faut, mais j'aurai pas le... On va aller chercher... On va aller se chercher de quoi faire. C'est bizarre, il m'en restait plein hier. Je l'ai peut-être jeté ou je suis morte avec, hein, des fois. Là, on a fait tous les établis, je pense. Ouais, et bah allez, on va aller en chercher. On va prendre Devil qui est toujours vivante, hein, quelque part, au pire. Ah non, je vais vous montrer Kiwi. Oula, Kiwi, vous n'êtes pas prêt. Non, pas le 2.0, je veux le vrai Kiwi, moi. Kiwi, c'est mon mutant que je me... Enfin, de balade. Hein. Ah, femelle Kiwi. On va partir avec elle. De toute façon, on va juste aller se chercher notre résine. Je trouverai jamais le nom. Vous continuez, vous êtes sage. Eh oui. La résine, la résine. Hop. J'espère que ça n'a pas été cassé là-bas. Parce que l'autre jour, il se battait. J'espère que j'ai encore mon échelle. Sinon... attendez, sinon... Ouais, non. Je vais dire, sinon je prends des piolets, mais... m'étonnerait que j'ai besoin. Kiwi. Allez. Kiwi. Hein, n'est-ce pas? N'est-ce pas moche, tout ça? Elle est verte, jaune, rouge... voilà. C'est kiwi, quoi. Après, c'est un spino commande de balade, hein, j'ai envie de dire. C'est vraiment comme je le présente pas au concours. Voilà. Bah, je me balade avec, quoi. Tout simplement. Hop. Bah, écoutez, ouais, on se fait un peu de balade. De toute façon, les œufs, je pense pas qu'on va en avoir de suite, des mutants. Ce qui est chiant, c'est que quand je m'éloigne de ma zone, ça arrête de faire les mutations et tout en bas. Donc, oui, c'est par là. Et après, je redescends. Hein. Logiquement. Attends. Kiwi, calme-toi. Tu vas y arriver. Oh, la petite biquette. Biquette, c'est chiant aussi pour faire des mutations parce qu'elles ont trop de couleurs. Tout simplement aussi. Ah oui, bah ouais, comme j'ai réinstallé, j'ai plus ma carte. Bon, après, je sais où aller, celle-là. Mais, bah oui. Comme quoi, hein. J'avais dû tout réinstaller, les copains. Et je vous dis pas l'angoisse de réinstaller tous vos jeux, vos logiciels de montage, etc., etc. J'ai perdu toutes mes miniatures, donc ça sera des nouvelles miniatures. Il va falloir que je rechange les logos et tout ça. Ouais. Spyglass, par contre, ça serait pas mal. Hop, merci. Voilà. Oula. Le lac de la base, là. D'Alex. Qui me bloque le passage. Avant, je passais sur la rive, mais je suis obligée de passer par l'eau. Après, avec un spino, ça va. Quand vous êtes avec autre chose qu'un spino, c'est chiant, quoi. Mais, pour le coup, voilà. Allez. C'est juste là, de toute façon. Pas de coupure, les copains. Bon, en tout cas, ça me fait plaisir de pouvoir retravailler et vous faire des vidéos parce que ça me manquait. Hein. Moi, c'est quand même une passion de faire ça. Donc, ça me manquait, quoi. Faire des vidéos, tourner des vidéos, vous parler, ça manque des fois. Eh oui. Enfin, j'espère aussi que vous passez de bonnes fêtes, les amis. Que vous avez été bien gâtés pour Noël parce que... Voilà, quoi. Et tout ça, et tout ça. J'espère que vous êtes bien amusés quand même. Malgré. Oui, il y a encore ma plateforme. Bon, il y a aussi un raptor. Ouh, toi, tu vas te prendre une baffe. Tu vas pas comprendre. Voilà. C'est le bordel ici. Hey, c'est quoi, c'est à qui ça? Alex encore! De toute façon, ils en ont partout des trucs. Y a un truc qui me suivait, non. Hop. Alors je me suis bien fait chier, tout le monde me dit ça, mais en vrai, si vous n'avez pas les piolets, c'est bien pratique de grimper comme ça. J'ai la flemme de prendre des piolets à chaque fois, quoi. Alors non, je trouve pas que ça soit si chiant que ça. Il m'embête! Ah, mais tu m'embêtes!
Il est venu m'embêter à ma base. Bon, j'étais en train de faire mes cakes, moi. Ah, puis tout le monde a bougé. Ouais, on va despawn ça, par contre. Ça serait pas plus mal. Reste là, toi, protège un peu. Voilà, n'hésite pas. Kiwi, n'hésite pas. J'étais en train de rechercher, du coup. Ça va, toi? T'as toujours à manger? De toute façon, maintenant, tu dois manger dans la gamelle, hein. Faut pas exagérer non plus. N'exagère pas. Bon, normalement, j'ai de quoi faire là-dedans, non? Oui. Voilà. Très bien. Très bien. Je vais pas en faire 50 000 non plus, de toute façon. Hop. Ah, il y a un peu de bordel. Du coup, vous vous reproduisez plus avec personne. Bah, bravo. On va pas avancer à ce rythme-là. Si tout le monde bouge, hein, aussi. Eh oui! Eh oui. Hop. Alors, ça. Bon. Eh ben, on y retourne. Il y a une femelle qui est morte. Par inadvertance. Je lui ai foutu des coups de lance, en fait. En croyant taper le bébé. Donc voilà, on dit bravo, comme d'hab. Et on a là des œufs ou pas? On a un peu de diplodocus à faire éclore. On va les laisser. Je vais aller du coup chercher des moutons. J'en ai marre, ils sont trop lents ces moutons. On va essayer de s'en trouver, j'espère qu'on trouvera une femelle. Peu importe le level, hein, les copains. C'est pas pour les faire combattre, hein, surtout pas des moutons. Donc il me faut juste une femelle en vrai. Les deux là, je vais les replacer. Viens là, viens là. Oui, bah toi, je t'aime bien, mais voilà, je savais que t'allais me bloquer. On va essayer de les faire revenir par là, quoi, pour le coup. Qui retape? Tu prends des dégâts? C'est toi? Dans le doute, si c'est toi, je vais te donner vite fait ça. Cool, done. J'entends un drôle de bruit là. Ou c'est quelqu'un qui mord, mais. Arrêtez. Bah, je me disais bien. Bah, on fait pas ça, monsieur. Non mais. Bon, en attendant, je vais redonner à manger à mon bébé, comme ça au cas où. Je pensais que c'était lui qui prenait des dégâts. Il y a toujours une couille dans le jeu, c'est bon. C'est le jeu le plus, hein. Voilà. Allez, viens. Kiwi. Kiwi, kiwi. Après, oui, Devil va bien. Alors, Devil, c'est celle que j'ai tamée avec vous dans le dernier épisode, pour le coup. Et elle est toujours vivante. Ça fait plutôt plaisir. Kiwi, elle tient bon, quoi. M'embêtez pas. Ouais, bon, on va passer comme ça. Oh, j'ai la chanson de Noël de Ark, vous savez. Enfin, pour ceux qui lancent le jeu, moi je les enlève maintenant les chansons, mais comme. Comme j'ai réinstallé le jeu, ça m'a remis la musique. Le truc, c'est que la musique de Ark, elle prend la tête. Hein. C'est par là. Non, je voulais pas casser l'arbre. Bon, tant pis. Je les aime trop, ces arbres bleus, là. J'ai pas envie de les casser à chaque fois et. Pour le coup. Les moutons, normalement. Là, ça va charger. Hein. C'est normal que ça lague un peu. Les moutons, normalement, on en trouve directement à la sortie, là. J'espère qu'on va en trouver. Putain, ils en ont des drakes, hein. Ils vont en chercher aussi tout le temps. Alors, logique, mais. Logique, vous me direz. Ouais, et donc la Reaper Queen, ouais, on va la faire aussi. On va monter à la surface. Il y a plein de choses à faire. Donc, n'hésitez pas à rejoindre le serveur. Vous avez le temps, franchement. Je compte pas l'arrêter de suite, on s'amuse bien dessus avec les copains, on fait tous nos trucs de notre côté, donc tout va bien. Là, je pourrais aller vous montrer la base des filles, faut que je demande à Azara d'abord. Parce que j'aimerais pas gâcher la surprise, et s'ils sont en train de faire des mutations pour le concours et qu'ils veulent pas qu'on les voie. Voilà, j'aimerais quand même aller checker un petit peu leur base, vous allez voir, c'est plutôt sympa ce qu'elles ont fait. Elles ont fait un petit village, quoi. Un petit village plutôt sympa. Je peux faire un petit tour des bases. Hein. Après, il y a Pierre qui est en train de déménager, donc ça serait dommage. La base à papy, je pourrais vous la montrer. Je pense pas qu'il ait des repros dehors. Aussi.
Ouais, je peux vous faire un petit tour pendant qu'on en balade. Et après, on finira par une éclosion d'œufs ensemble. Je pense pas qu'on aura des mutants directement ensemble, mais de toute façon, vous suivrez ça au fur et à mesure de la série, hein. Dans tous les cas, je croyais que mon chien couinait. Non, c'est dans le jeu. Paracère aussi, il faudrait qu'on. Bah après, regardez, ils ont que trois zones de couleur. C'est pas extraordinaire, quoi. Bon, des petits moutons. Bah après, ils vivent pas trop longtemps par ici, mais. Bah là, c'est la base de pierre. Par contre, dans le noir, vous n'allez pas trop la voir. Il y a des loutres là? Même pas, quoi. Regardez-le qui se. Il tuait un écus. Alors, toi, mon pote. La base de pierre, elle est plutôt stylée aussi avec ses remparts et tout, mais il est en train de déménager. Il va déménager. Bon, ça suffit, là. Ça suffit! Il va déménager, il va se mettre en zone bleue, mais celle-là, je les mets. On peut pas parler devant chez Pierre. Pas évident, hein. Ah ouais, puis il a même mis son panneau Pierre Aigle. Et du coup, voilà, c'est ça. Elle est plutôt sympa, j'aime bien ses remparts et tout, mais bon, il a décidé de déménager, on va pas lui en vouloir. Par contre, non, faut pas que j'aille par là-bas, c'est par là. Hein. Alors, il est voyant, mon Spino, en vrai. Hein. Même sans Spyglass, le mien, vous le loupez pas. Pour le coup, elle est plutôt voyante, Kiwi, ouais. Normal. Kiwi, Kiwi. Il n'y a pas de mouton, quoi. Je suis déçue. Des écus. C'est quand même pratique, hein, ça. Parce qu'en vrai, chercher les moutons là-dedans. Des tortues, des écus. Écus, non, pour l'instant, de toute façon, je suis en train d'essayer d'en faire, mais ça marche pas plus que ça pour moi en tous les cas. Allez! Bon, on va pas trouver de moutons, quoi. C'est qui encore? Pierre Aigle, de son prénom. Après, ça se trouve, il y en a qui butent les moutons, hein, vu que ça fait de la bouffe pour tamer plus vite. Bon. Bah, j'ai pas de chance, il y en a pas par là. Il est sublime, Aberration. Je mets pas de gamma pour ça, regardez. Franchement, c'est trop beau, quoi. Les jeux de lumière de ce. Regardez les champignons et tout, c'est pas trop beau. Non, franchement, je peux pas mettre de gamma sur Aberration. Me demandez pas ça. Je vous bouderai à vie. Ça, c'est clair. Bon. Bon, bah, se promener. Ou alors, il y a un autre endroit, à la limite, je vais essayer. De toute façon, dans les premières zones, en général, il y en a. Hein. Oui, bah, poussez-vous. Soyez pas bête. Je suis où, là? Ok. Hop, je vais passer par là-bas et ensuite je vais demander à Asa si ça la gêne pas que je monte leur base, mais. Hop, des petites claques dans les joncs là. Barrez-vous. Barrez-vous. Mais à quoi, c'est un carquinos alpha ça? Qui brille là? Je sais pas. Et m'attaque pas. Il y a aussi des pièges en commun, si vous voulez les utiliser ou quoi, les fils ont laissé ouverts pour tout le monde. Ça sert pas mal, moi j'ai eu mon mal level 300, enfin tamé level 300 grâce à ça. Foutu dans le piège, enfin Charal me l'a foutu dans le piège et j'avais plus qu'à l'endormir, donc c'est plutôt stylé. Il y a aussi un petit piège là pour aider. Non, il n'y a plus la base de. Ah bah pour le coup c'est bien dommage. Autant je dis qu'Alex a des bases partout, autant celle qui était ici était magnifique. Bon, c'est décevant. C'est triste. Il n'y a pas des moutons là? Il n'y a jamais rien. De toute façon, faut pas. En fait, quand je les cherche pas, je les vois. Vous allez me dire, j'aurais peut-être pu prendre une lumière, hein, mais. Ouais, bon bah elle répond pas. Elle répond pas, alors je vous la montre pas parce que bah pour le coup je sais pas si elles sont en train de reproduire des trucs. On va juste passer sans regarder.
Normalement, ils habitent là, quoi, mais on va juste passer sans regarder et je vous montrerai ça une prochaine fois. De toute façon, il n'y a pas de mouton là, vite fait. Juste devant là, non. Je continue ma petite balade et puis. Oh, pire, je vais vous montrer la base à Xilo qui est pas trop loin. Après, Xilo, je pense pas que pour l'instant il en soit au truc de concours. Et je crois pas qu'il soit. Il y a un mouton. Oh, c'est un mâle, quoi. Est-ce qu'au pire, je le prends? Il a l'air joli en vrai. J'ai trois cakes. Ah, ça m'aurait. J'aurais préféré des femelles quand même. Non, franchement, un mâle me sert à rien. Non, franchement, il était pas mal, hein, mais. Voilà, quoi. À la limite, il faudrait que je le bute. Comme ça, au retour, peut-être qu'il y aura une femelle qui aura spawn ici. Je suis désolée, du coup, il est où? Désolée. Mais je veux une femelle. Ouais. T'es voyante, hein? Passe pas inaperçu en attendant. Là, il y a la base à Nidro. Pour l'instant, il est toujours parvenu. Je me demande comment ils sont pas morts de faim, ces machins. C'est une femelle? C'est pas vrai, quoi. Vous foutez de ma gueule, hein? Bon. Non. Bon bah écoutez, je vous reprends un petit peu plus tard, c'est là le temps qu'on y aille. Voilà, et si je trouve une femelle, je vous reprends. C'est joli ici aussi. Oh! C'est concept, un iguanodon volant, un paracerf tout là-haut. En vrai, il est quand même pas mal éclairé ici, Xilo. C'est parce qu'il fait jour ou... Ouais, je pense que c'est parce qu'il fait jour. Donc lui, il s'est mis là. Il y a un ravageur. Franchement, des fois, on se demande. Hein. Ravageur. 140, hein. C'est pas un petit, quoi. Et lui, il s'est mis par là, Xilo. Après, il est pas mal ici, hein, en vrai. Il y a juste un problème. C'est après qu'on a pensé. Enfin, qu'il y a pensé. C'est que, bah, finalement, comment il fait pour ramener l'eau jusque-là, ça va être complexe. Hein. De tout en bas, là, à part en drag, je vois pas comment il pourrait faire. Il est sympa son Stegotech. Et donc voilà quoi. Et lui il a fait un petit ranch, une sorte de petit ranch en fait. C'est plutôt joli hein. Franchement j'aime bien. Je vais enlever les écritures. Non. Du coup on va enlever la spyglass pour le coup. C'est moins joli. Regardez. Là c'est sympa hein. En vrai chez Xilo c'est sympa. Toi t'es beau mais tu piques les yeux. Hein. Un peu. Oh, ils ont un. Il a un chapeau de Noël, son machin, son ravageur. Joyeux Noël! Non, j'aime bien ce qu'il est en train de faire ici. Pour de vrai, ça fait petit ranch bah, en hauteur, quoi. Il fait plein d'enclos et tout, j'ai l'impression. Voilà. Franchement, je trouve ça pas mal. Je trouve ça pas mal. Bon, après, on va pas traîner là parce qu'on n'a rien à faire là. Hein. C'était juste pour vous montrer. Et on continue à chercher. Je vais peut-être aller à la zone portale. Et si je trouve pas, bah. On va juste faire éclore les œufs. Et voilà quoi. En vrai, ça fait quand même du bien de se promener avec un peu de jour, hein. J'ai envie de dire, voilà quoi. Là, on va arriver vers chez Pinux, hein, au cas où je vous montrais aussi. J'ai l'impression que j'ai vu son spino là-haut, alors c'est un autre spino, mais. Lui, il a commencé il n'y a pas longtemps, Pinux, hein, pour le coup. Ben, il y a 2 jours. Il y a 2 jours qu'il a commencé, donc voilà. Il a déjà. Bon, après, il a juste fait ses pics. Hein. Toujours pas de. Ouais, il a toujours pas fait de serre ni. Enfin, de construction, pardon. Si, il a fait une serre, justement. Et là, je vais remonter du coup vers la zone portale, voir s'il y a des moutons. Et sinon, on se retrouve à la base faire éclore les œufs. Ça sera bon. Hein, les copains. Tant qu'à faire. Je suis suivi ou quoi? Non. Ah, je fonce dans les murs, du coup. Ok. La zone portale. Pousse-toi. Je voulais le mordre, mais flemme. Flemme de me battre. Ok. Est-ce qu'ici, il y aurait quelque chose? Des fois oui, des fois non. En vrai, il est quand même pas mal, le Spino. Il a quand même beaucoup de stam et tout. Je dis ça parce que voilà, ça fait quand même un moment que je l'avais pas reprise.
kiwi. Magnifique. Non, franchement, c'est un truc de signalisation, c'est pas un spino. Pardon. Bon. Dites-moi qu'il y a des moutons quand même ici. J'aurais fait toute la map, hein, je tiens à le signaler. Sinon, en plus, j'ai rien pour tamer. J'aurais pris des parasaures au pire, mais. Des femelles, quoi. Et là, j'ai rien pris pour tamer, les copains, donc non. Pas à part les moutons, quoi. Là. Mais j'y crois pas, quoi. Je cherche une femelle. Non, je suis pas d'accord. Mais normalement, ils spawnent pas tout seuls en plus. Ils sont censés spawn par trois, ces machins. Là. Bah non, quoi. Bah non, mais vous marchez pas avec les quais, quoi. J'ai pas pris. J'ai pas payé. Ah non. Tu sais, des fois, quand. En enlevant de mon truc, j'aurais repris les carottes sur moi, même pas quoi. Et à la baie, c'est impensable, hein, je vous le dis. Il faut combien de baies? 36, c'est impensable. Ah! Ah ouais, il faut 15 cakes aux légumes. Non, 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 c'est bon. Vous êtes chiants les chevaux là. J'en ai que 3 pour les moutons, moi. Ça va bien respawn à force sur le tête sur le chemin retour, hein. Ah, quand on n'a pas de chance, on n'en a pas, quoi. Que des mâles, regardez! Le jeu me troll! Je suis pas d'accord, là. C'est un troll, ce jeu. J'aurais dit que chercher des mâles, ça aurait été que des femelles. Je vous le dis, hein. Clairement, quoi. Là-bas, c'est quoi? Des bulldogs. Bah ouais. À la recherche du mouton aberrant. Ouais, c'est vrai que c'est chiant. D'ailleurs, ils sont même pas aberrants. Je crois que c'est juste au vis. Hein. J'ai pas vu, mais. T'es trop lourde, Kiwi. Je sais. Je sais bien. Ah ouais, non, mais. Je suis désolée, hein, mais là. Ouais. J'en ai trop, de toute façon. Kiwi, Kiwi. Moi et ma chance, j'aime beaucoup jouer avec moi. Sérieux? Y a pas une femelle qui a respawn? Dans le doute. Ça craint. Bah écoutez, je vais faire le chemin retour. Normalement, peut-être en repassant sur le chemin où tout à l'heure il y avait les mâles, il y aura peut-être une femelle qui aurait spawn ou je sais pas. J'en ai aucune idée. On va monter déjà. Pousse-toi! Non, en plus, il me gênait pas. Maintenant, il me gêne. Il va me gêner! Non, c'est bon. Bon. Bah, ellipse, les copains. J'ai pas l'impression d'avoir de la chance. Donc, ellipse. Regarde quand même en bas, hein, sait-on jamais. Mais... Oula, ça lag. Ah, bah oui. Bah, bravo. Bon, toujours pas trouvé. On va re regarder une dernière fois par là. T'as devant chez Pierre, c'est toujours le l'angoisse quoi. Mais regardez, de jour, c'est beau sa base. Hein. C'est petit, mais c'est joli. Dommage qu'il déménage. Enfin, dommage, non, pas pour lui, parce qu'il va aller dans un coin qu'il préfère. Mais bon, et là, normalement, il y a toujours des moutons. Vous allez pas me faire mentir. C'est là que j'ai pris les miens, hein, donc. Après, c'est parce que j'en cherche, quoi, je pense. Parce que j'en cherche, il n'y en aura pas, quoi. C'est triste. C'est triste. Ouais. Ouais. Tant pis. Allez, stop. Il y en a marre. Tant pis. J'essayerai encore d'avoir des femelles sans que la nanny les tue. Il faudrait vraiment que je m'en occupe et que je bouge pas parce que les moutons ils crèvent très très vite. On va redescendre. On retourne chez nous. Ouais. Déçu.
est choquée. Bon. Dans ces nids, là. Ah, ben, il y en a quand même à faire éclore avec vous. On a ça. Hop. Déjà, on va faire les diplodocus, en espérant. Hop. Ouais, ça va, il y a de quoi faire éclore un petit peu avec vous. J'espère être chanceuse. Les gâteaux, faut que je les remette au frigo, d'ailleurs. Hein? Au ralenti. Mais il y a toujours un Drake qui me suit, ça, c'est Pierre. Il me harcèle, je vous le dis, hein. Arrête de me suivre, Pierre. Dingue, ça. On a beau lui dire, hein. Alors, hop. Allez, plein, 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 plein. Ça lag, c'est normal, ne vous inquiétez pas. Tout ça est contrôlé, pas du tout. Allez. Même pas un, quoi. Ah si, un bleu! Ah, bah voilà! Alors attendez, on va tuer tous les autres. Toi, toi. Ah si, un bleu quand même. En plus, je crois qu'on en a avec du bleu sous le ventre. Donc on pourra commencer à faire un bleu corps. Ah ouais, si, pas mal, pas mal. Désolé, hein, les âmes sensibles, voilà. Hein. Il faut que je les tue, je peux pas garder tout le monde. On garde que ceux qui nous intéressent. Hop. Voilà. Bah ouais, désolé. Hop, 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 hop. Je fais gaffe parce que des fois ça sélectionne pas le bon et ça nous tue ceux qu'on n'a pas envie. Voilà. Voilà. Hop, toi. Désolé. Voilà. Ah, va me gêner. Et toi, du coup, c'est bleu corps. Eh ben, ça, c'est cool. Je vais l'appeler bleu corps. Hein. Pour l'instant, c'est pour mélanger, quoi, les copains. Ok. Est-ce que t'as des de quoi? Non, t'as rien. Attends, bouge pas. Je vais te donner toujours pareil. Hein. Allez! Non? Ah, bah, c'est Azulberry. Je me gourre de baie. Voilà. Je vais te donner 100 poules. Hop. Voilà. Après, bah, il n'y a rien d'autre pour l'instant. Donc, pour l'instant, on va tuer tous les autres. On va regarder les sarcos. Sarcos, ça serait cool que ça mélange les couleurs que j'ai envie, genre le marron et le orange. Pour le moment, ça veut pas trop, quoi. Et puis après, on va s'arrêter là, les copains. Je pense que cet épisode-là sera assez long pour la reprise des épisodes. Hein. Hop. Ensuite, on se retrouve peut-être, je sais pas, on verra bien. Pour l'instant, j'ai pas fait de planning. On se retrouvera de toute façon avec du Phasmophobia, du The Isle. Et je pense que ça sera pas mal. Arrête. Et une nouvelle série que je voulais vous faire aussi, mais le truc, c'est que je sais pas si je vais avoir le temps de suite. À voir. Si j'ai le temps de la tourner, à voir. Hop, voilà. Fais gaffe de pas taper le bleu. Hop. Hop. J'irai refaire un farming de baies parce que j'ai toujours peur qu'ils aient pas assez là. Ça va? Bah ouais. T'es pas sublime, mais avec du bleu en dessous, ça va faire tout bleu ça. Et après, si on arrive à avoir un violet en haut, ça peut être stylé. Mais pour le moment, voilà. Hop. Alors. Donne-moi du coup bah, encore des diplômes hein, tant qu'ils sont là. Hop. Ça en fait pas mal à chaque fois. Ça, on peut jeter à force. J'ai trop de trucs, quoi. Voilà. Allez. Et après, on se fait un petit peu de sarco ensemble et après, on s'arrête. Après le noir sous le ventre, là je me demande hein, quand même. Je sais pas si c'est un. Franchement, des fois je me demande. Quoique, non, ils en ont tous du noir. Mais il est beau ce noir. Si on fait noir et bleu à la limite. Après, ils en ont souvent du noir, donc je vais peut-être pas en garder un. Ça doit être un des parents qui est comme ça. Hop. Seul but n'est pas qu'il soit full mutation hein, en couleur. Le but est que ça soit joli. Avoir un beau mutant, quoi. Donc vous pouvez quand même faire des mélanges avec des couleurs naturelles, plus une mutation. Quoique j'ai l'impression qu'il en a du noir aux pattes.
Ouais, au bout des pattes, mais après, ouais, remarque, si on fait bleu sur le ventre, vaut mieux pas toucher à son bout des pattes, quoi. Enfin, pas toucher à cela, du coup. Hop. Voilà. Et toi, là-bas? Désolé. Voilà. Voilà. Eux, faut que je reste à côté juste pour avoir des femelles. Ça me stresse, ça m'énerve de faire comme ça. Tout ça, si je trouve pas de femelles naturelles, quoi. Allez, les sarcos, et après on s'arrête. C'est bon, ça suffit. L'épisode va être long. Hein, faut que je vous l'envoie surtout. Donc, voir que tout marche bien. Que je puisse vous refaire des épisodes. On regardera ça. Façon, si vous voyez cette vidéo, c'est que tout a bien marché. Hein. K.O. Ah, je suis bloquée. Il n'y a clairement pas ce que je veux, quoi. Non, hein. C'est pas croyable. C'est pas croyable. On va changer de couple de sarcos, hein, pour la suite. Ceux-là, ils veulent pas mélanger le orange avec le. Ils veulent pas, quoi. Tout simplement. Donc ça veut pas, bah je tue, hein, tout simplement aussi. Hop. Hop. Voilà. Toi, hop. Toi, t'es jolie, mais t'es comme ton père, ta mère ou je sais pas qui là-haut. Donc ça, là-bas en bas, donc ça sert à rien. Et toi, t'es normal. Donc ça sert à rien aussi. Au revoir. Hop. Voilà. Hop. Eh ben écoutez les amis, on va s'arrêter là pour cet épisode-là. J'espère quand même qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner, ça me ferait vraiment plaisir. À rejoindre la chaîne si ce n'est pas encore fait pour me soutenir financièrement. C'était Lee sur Aberration et je vous dis à bientôt. Allez, ciao!